Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, notamment les responsables de l'IAUR, donc Catherine Guy et Gilbert Gauthier, et bien sûr aussi le président de l'Apéro, Franck Scherer, de m'avoir invité pour aujourd'hui présenter cette introduction au colloque. Donc en fait, j'ai choisi d'intituler ma présentation « Repenser le projet urbain vers une nouvelle articulation entre acteurs, processus et temporalité ». Aujourd'hui, le projet urbain est en fait un concept qui est très à la mode, qui en fait régit le plus grand nombre des interventions en planification urbaine et constitue notamment, par rapport aux enjeux que je vais énoncer tout à l'heure, un mode d'action qui nécessite une réflexion en termes d'intégration des acteurs, de harmonisation de différentes temporalités, et nécessite aussi un questionnement par rapport au processus politique et administratif. Donc en fait, je vais structurer mon propos en trois temps. Dans un premier temps, je vais reprendre les enjeux actuels du projet urbain. Et par la suite, je vous invite à m'accompagner à un voyage en Allemagne. Donc vous avez certainement intercepté mon accent bavarois de l'Allemagne du Sud. Et il s'impose de parler un peu des grands projets qui se passent en Allemagne. Nous avons hier, lors de l'Assemblée générale de l'Apéro, évoqué ensemble les travaux sur les IBA, les expositions internationales de construction, qui constituent une démarche intéressante. Mais malgré tout, même si ces démarches sont intéressantes, on peut intercepter un certain nombre de conflits autour de ces projets qui nous invitent à repenser le concept du projet urbain. Je vois que l'écran... T'as du jus ? Et oui, donc ça devrait s'allumer. Donc voilà, le courant revient. Et je vais finir en fait en troisième temps pour vous proposer 10 principes de réflexion pour renouveler en quelque sorte cette approche du projet urbain. Donc c'est une proposition de débat qui pourrait être un fil de réflexion aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on peut se poser la question: comment caractériser le projet urbain? Certes, le projet urbain est d'abord un projet politique. C'est-à-dire, c'est un projet politique qui aujourd'hui régit dans un contexte de gouvernance par une approche d'action collective et qui intègre une multitude d'acteurs qui revendiquent en fait l'intégration du champ de la décision et de la maîtrise d'œuvre. Il est aussi un objet. Nous avons entendu ce matin, dans les propos introductifs de ce colloque, que c'est souvent un objet d'espace public. Un objet d'espace public dans, je dirais, les trois acceptations de cette notion espace public. La première acceptation qui est une acceptation physique, c'est-à-dire c'est un espace qui est aménagé, qui est accessible, qui est physique. C'est aussi un espace de sociabilité, de rencontre de différents acteurs. Et c'est aussi un espace de marketing urbain, de carte de visite de la ville, et emblématique d'une volonté des pouvoirs publics de transformer le cadre métropolitain. C'est par la suite aussi un contexte spatial, donc la nécessité de relever un diagnostic à la fois spatial, social, économique et politique,
qui va avoir un impact très fort sur la conduite de ce projet urbain. C'est aussi un nombre de différentes temporalités sur la programmation de ce projet, la conception, la concertation, c'est-à-dire l'intégration des différents acteurs, et la réalisation. Vous imaginez bien que ces différentes temporalités vont à un certain moment se chevaucher et parfois se gêner. Donc je reviendrai en fait sur cette question des temporalités à l'occasion du cas de Stuttgart 21. Et c'est aussi la confrontation entre différents acteurs avec leurs intérêts, avec leur langage. Les langages ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'écouter un élu qui parle dans son langage politique, d'écouter un technicien qui parle avec son langage technique, jargonneux parfois, et d'écouter un participant qui découvre pour la première fois un plan d'aménagement, un plan technique dans le contexte d'un projet urbain. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'enjeux pour ce projet urbain, et c'est d'abord la diversification des acteurs mobilisés. Aujourd'hui, en fait, il existe un grand nombre de groupements qui vont se former, soit ad hoc ou à l'occasion d'une réflexion de changement dans la ville, et qui vont en fait essayer d'intégrer, de porter leurs intérêts, leur stake, comme dirait Patsy Healy, donc leur enjeu, dans ce processus de planification pour instruire le projet. Donc comment à la fois identifier cette diversité des acteurs et comment les mobiliser. Ensuite, on est confronté à l'importance grandissante du diagnostic. Le diagnostic dans le projet urbain a tendance à s'allonger et à prendre une part beaucoup plus importante dans le processus que les autres phases, compte tenu de la complexité actuelle du contexte local métropolitain. On assiste aussi à l'impératif des approches participatives. Nous l'avons évoqué hier et aujourd'hui, multiples modes et dispositifs de concertation, de planification participative, qu'il s'agit à adapter au projet auquel on fait face au niveau local. C'est aussi l'adaptation à un contexte en transformation permanente. C'est peut-être l'enjeu le plus important et le défi le plus difficile à intégrer dans le projet urbain. Comment le projet urbain, avec une planification relativement orientée, peut s'adapter à des changements économiques de crise, à des changements politiques et d'autres. C'est aussi la nécessité d'un montage financier partenarial à l'heure où les finances publiques sont en baisse et où un certain nombre d'acteurs économiques revendiquent leur prise en compte, et où on est face à une espèce de marchandage qui permet ensuite la réalisation du projet. Et en fin de compte, un dernier enjeu, c'est bien sûr l'articulation entre les échelles territoriales, c'est-à-dire l'échelle micro, l'échelle du quartier, voire de l'architecture. C'est l'échelle méso, c'est-à-dire de la ville, des différentes parties de la métropole, et c'est aussi l'articulation avec une échelle beaucoup plus importante, c'est-à-dire l'intégration de ce projet urbain dans un contexte régional, national, voire international. On va le voir dans le cas de Stuttgart 21 tout à l'heure. Donc, Stuttgart 21 est en fait un projet qui
s'organise dans la capitale du Land de Baden-Württemberg. C'est une région de l'Allemagne du Sud, avec la frontière avec la France et avec la Suisse. Donc, un Land qui est traversé par un certain nombre d'infrastructures importantes et qui se trouve actuellement sur une ligne à haute vitesse ferroviaire capitale qui relie Paris à Budapest. Donc, dans les années 80, en fait, ce projet émerge parce que la ville de Stuttgart se trouve géographiquement dans une cuvette avec une ancienne gare qui coupe la ville en deux et qui est par ailleurs très difficilement adaptable à un réseau qui commence à se complexifier, qui fait arriver à Stuttgart 5 niveaux de connexion ferroviaire et qui est censé être une étape importante sur cette ligne à grande vitesse entre l'Ouest et l'Est. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet qui est un projet d'importance internationale, nationale en Allemagne, régionale et locale, fait émerger un certain nombre de temporalités que je vais vous expliquer. Donc, c'est d'abord, en fait, la temporalité d'un projet politique. Donc, un projet politique qui commence dans les années 80 avec trois personnes, trois élus, qui vont, en fait, réfléchir à l'enfouissement de cette gare pour gagner le terrain à l'hypercentre de Stuttgart et pour réaliser ces connexions à différents niveaux. Donc, vous imaginez un projet qui émerge dans les années 80 et qui réunit au fur et à mesure, et là vous avez une petite frise, en fait, des différents élus qui, au fil du temps, vont être intégrés dans la réflexion, le débat public et la conception de ce projet jusqu'en 2010. Donc, vous voyez un certain nombre de personnes élues qui intègrent le projet et qui en sortent au fil des élections qui vont se tenir pendant tout ce laps de temps. Donc on assiste dans un premier temps à une temporalité très longue entre 80 et 2010 avec des acteurs qui ont des positionnements très différents, qui ont des intérêts différents et qui vont orienter le projet au gré de leur mandat, de manière différente. Pour vous dire que dans les années 90, en fait, ce projet qui était identifié comme un serpent de mer avait un statut de projet de tiroir et on pensait que ce projet allait jamais se réaliser. Ensuite, il y a une deuxième temporalité qu'on peut appeler la temporalité de la planification territoriale. Donc c'est une temporalité qui est bien sûr régie par des instruments de planification. Donc vous voyez ici le Regional Plan, qui est en fait un espèce de schéma directeur SCOT. Il n'est peut-être pas aussi souple que le SCOT, mais il permet d'intégrer un certain nombre de d'évolutions en termes d'évolution de l'infrastructure, mais il a une temporalité qui est relativement finie, qui est de 10 ans. Et donc, cette temporalité d'instruments de planification administrative a un impact sur le projet Stuttgart 21, en termes de tracé, en termes d'organisation du territoire, etc. Il y a aussi, ensuite, la temporalité des procédures administratives. Et c'est là où le projet Stuttgart 21 devient extrêmement intéressant. Et je vous invite à regarder donc ces photos prises à Stuttgart en 2010, année où, en fait, le projet a franchi
toutes les étapes administratives et légales pour commencer la réalisation de ce projet, c'est-à-dire les étapes de planification, les étapes de concertation intégrées dans le projet dans les années 80, les recours, les adaptations, les normes techniques qui ont été intégrées, revisitées, etc. Et, manque de chance, en 2010, commence une manifestation qui prend une ampleur qui n'était pas prévisible par les responsables du projet et par les élus. Donc, en octobre 2010, après l'ouverture du chantier, il y a quasiment chaque semaine 10 000 manifestations dans les rues et qui disent non au projet. Alors la question se pose, comment on réalise un projet urbain avec un grand nombre de citoyens qui sont dans les rues et qui contestent un projet légitime? Bien sûr, cette manifestation arrive aux oreilles de Angela Merkel, et Angela téléphone au président du Land et au maire de Stuttgart en disant: vous m'arrêtez tout ça, c'est un projet légitime, il a franchi toutes les étapes. Et donc intervient la police lourdement armée, parce que il y a quand même des citoyens qui sont extrêmement dangereux, et en fait dégage cette manifestation parce qu'on assiste à un projet légitime. Manque de chance, là encore une fois, il y a un certain nombre de blessés à la suite de ces manifestations, blessés qui sont des retraités et des enfants à l'école, et vous imaginez le résultat de cet événement. Les événements sont relatés dans la presse nationale et créent scandale. À nouveau, Angela prend son téléphone, vous l'imaginez bien, et appelle le maire de Stuttgart en disant: vous m'arrêtez tout ça, c'est impossible, c'est un scandale. Donc du coup, on est face à la question: qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet urbain qui a mûri pendant quasiment 30 ans et qui est un projet légitime, mais que les citoyens ne veulent pas? Donc ça, c'est une question intéressante, parce que vous avez non seulement les différentes temporalités qui ne sont pas du tout accordées, on verra tout à l'heure pourquoi, mais vous avez aussi la question de la légitimation. Quelle est la véritable légitimation d'un projet urbain? Et donc du coup, en fait, on engage un responsable qui doit organiser un espace de négociation. Donc cet espace de négociation est un rendez-vous pendant quelques mois, transmis en direct à la télévision nationale allemande, c'est-à-dire que chaque Allemand, celui de Berlin, de Munich et de Francfort, pouvait en direct assister à la concertation au sujet du projet urbain. Et donc, on essaye de trouver un compromis. Sauf que, on s'aperçoit que le projet est tellement complexe qu'en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas quelqu'un, un expert très avisé, un universitaire de haut rang, qui pourrait dire: voilà la solution, ce projet va marcher ou va pas marcher. Déjà, on ne s'accorde pas sur les coûts de la réalisation, qui oscillent entre 7 et 10 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez combien de mallettes, de billets d'euros on a besoin pour transporter 7 ou 10 milliards d'euros. Donc pour un participant, un citoyen de Stuttgart, c'est quasiment impossible de se faire une idée des coûts qui vont en fait avoir un impact sur aussi le budget communal. Et donc, en fait, cet espace de négociation, et c'est là où, en fait, j'ai eu l'occasion de mener un entretien avec le chef de projet
de Stuttgart 21 qui s'appelle Uwe Stuckenbrock. Donc une série de photos sont de sa production, qui me dit, en fait, c'est relativement simple de comprendre pourquoi nous sommes dans une situation de conflit actuel. C'est parce qu'en fait, pendant 30 ans, on aurait dû profiter de la temporalité longue pour créer un débat. Et non seulement pour créer un débat, mais de créer un espace d'apprentissage pour que chaque différents acteurs, avec son intérêt, avec son langage, avec ses revendications, puissent se faire, se construire un avis. Et donc, il me dit, dans les années 80, quand j'étais sollicité par les élus, j'ai proposé d'ouvrir un espace Wikipédia. Donc, monsieur le président de la métropole, ce matin, parlait de Wikipédia. Alors, probablement, c'est difficile d'imaginer quelle était la réponse des élus au chef de projet dans les années 80. Il a attendu pendant 2 semaines suite à sa demande par écrit, et la réponse était « vous enterrez tout de suite cette idée ». C'est impossible. C'est un projet d'une importance tellement grande, internationale, nationale et locale, qu'on ne voudra pas avoir des revendications, des idées farfelues qui intègrent ce projet et qui l'arrêtent. Vous comprenez aisément que c'était une réponse très maladroite. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, après 30 ans, face à un blocage énorme de la société civile. Et donc, on a, d'une certaine façon, perdu 30 ans qui auraient pu, en fait, faire émerger un langage partagé et qui auraient pu, en fait, atténuer un certain nombre de peurs, d'émotions, de sentiments. Et donc, pour finir, voyez que le projet urbain a une temporalité relativement courte face à ces grandes temporalités. Et en fait, on devrait assister à l'inverse. Le projet devait être la temporalité la plus longue, voire une temporalité permanente. C'est là où je veux en revenir. Donc on devrait inverser en fait les temporalités pour faire rentrer dans le projet urbain les différents temps des différents acteurs et des procédures et des processus administratifs pour qu'ils arrive à une fin qui satisfait le plus grand nombre des acteurs et qui permet aussi de répondre à des sentiments, des peurs, des craintes, etc. Donc là, encore une fois, Uwe Stuckenbrock me disait la question de la réalisation du projet de Stuttgart 21, ce n'est pas la question technique. La technique, on l'a. Mais c'est la question d'un débat sur les émotions. Et donc il m'a dit, on devrait avoir un espace où chaque participant a la capacité d'évoquer ses émotions. Émotions ensuite rationalisées. Je vais revenir là-dessus. Donc, suite à ce petit exemple de Stuttgart, c'est vrai que je pourrais en parler pendant 3 heures, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai essayé de vous proposer une piste de réflexion vers une nouvelle articulation. Je n'ai pas la prétention de vous dire comment fonctionne le nouveau projet urbain. Je ne le sais pas. Mais par contre, je pense qu'on peut extraire de différents cas, et Stuttgart n'est pas le même, c'est un cas emblématique, quelques principes qui nous aident à dire quels seraient en fait les pas nécessaires pour transformer le projet urbain. Donc, j'ai appelé cette piste de réflexion la planification territoriale entre agrégats d'acteurs et processus permanent. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les 5 principes d'agrégats d'acteurs et ensuite les 5 principes d'un processus permanent. Donc, que veut dire agrégat d'acteurs ?
Pourquoi ne pas parler de réunion de concertation? Parce que agrégat, dans mon sens, veut dire c'est en fait un espace qui est ouvert aux acteurs qui entrent et qui sortent et qui, à tout moment, peuvent laisser une trace. Vous connaissez tous le phénomène des réunions de concertation. On commence avec 150 personnes et on finit avec 10. J'exagère peut-être un peu. Mais au fur et à mesure, les participants se lassent. Il y a un investissement qui est quand même très important. Et donc, la participation, elle n'est pas durable et permanente. Donc, comment faire pour que chaque idée, chaque remarque et chaque revendication laisse une trace dans ce regroupement d'acteurs? Donc un premier principe est un principe qu'on peut appeler démocratique et un principe sur les rôles des acteurs. Donc dans un premier temps, on peut dire peut-être ce principe démocratique est plus facile à gérer si on assiste à un groupement d'acteurs, donc d'acteurs qui entrent et qui sortent, de nombre restreint. Déjà, bien sûr, c'est facile à comprendre que véritablement discuter, argumenter avec 500 personnes est beaucoup plus difficile qu'avec 30 ou 40. Mais en même temps, ça ne voudrait pas dire qu'on veut priver le reste des acteurs, tous les acteurs, à intégrer cet espace. Donc on assiste à une forme de dichotomie entre un groupe restreint qui est un groupe de travail et un groupe ouvert à l'infini, on pourrait dire, qui est quand même pas capable d'instruire ce groupe de travail. On a évoqué hier, dans la journée de réflexion apéro assemblée, un certain nombre de dispositifs de communication et d'information qui rendraient certainement plus facile l'intégration d'un grand nombre d'acteurs dans ce nombre restreint. Donc ce groupement devait être constitué d'acteurs qui sont à la fois hétérogènes, je dis volontairement ne pas représentatif, parce que la représentativité, à mon sens, c'est un leurre. On ne peut pas l'atteindre. Donc on travaille avec des personnes qui représentent une certaine, qui forment une certaine hétérogénéité, qui sont mobilisées, qui sont intéressées, qui veulent instruire ce projet et qui sont capables et autorisées de défendre un stake, un enjeu. Et donc chaque participant doit laisser une trace. Il ne doit pas suivre le processus tout au long. Ce n'est pas important. Donc la question qui se pose, comment créer un cadre d'expression qui permet cette trace et comment travailler sur les règles d'expression? Donc dans ce premier principe, vous voyez déjà qu'on ne peut pas fournir une recette de cuisine. On ne peut pas créer une loi pour dire ce principe démocratique doit fonctionner de telle manière, parce que culturellement, dans chaque ville, ce cadre doit être coélaboré en fonction des cultures, de l'histoire, de la composition de la société, etc. Donc, deuxième principe, les échanges intersubjectifs, c'est-à-dire l'élaboration et communication d'arguments, on l'a vu à Stuttgart, émotionnels et sentimentaux, rationalisés. Donc il ne faut pas exclure les sentiments, les émotions, mais il faut chercher à les rationaliser pour qu'ils puissent instruire le projet. Donc je me base sur les travaux de Habermas qui parle de la question de l'argument logiquement recevable, comment on peut le définir, et des nouvelles formes de légitimité, on en a parlé aussi ce matin et hier, qui permettent la justification. Troisième principe, c'est le langage partagé. Donc, la création en fait d'un langage partagé nécessite un temps très long. C'est un apprentissage. Donc, comment les acteurs peuvent s'approprier de façon permanente et mutuelle les clés de langage? Donc, ça veut dire donner
accès aux clés de compréhension des acteurs à la fois démiurgiques, démocratiques et politiques. Quatrième principe, les représentations de valeurs. Dans le cas du projet urbain, un grand nombre de valeurs sont véhiculées, mais rarement définies et rarement véritablement analysées. Donc, faire émerger les différentes représentations de valeurs pour co-construire des opinions et pour formuler les objectifs par rapport au futur souhaitable en aménagement urbain. Donc, aménagement urbain veut dire, à l'intérieur du projet urbain, comment véritablement considérer les aménagements qu'on va réaliser. Cinquième principe, l'autopoïèse. Donc, une agrégation autopoïétique, c'est un concept qui a été inventé par des biologistes, Maturana et Verala, dans les années 80, et qui veut simplement dire un organisme qui est capable de s'inventer, de se réinventer soi-même. Donc, Maturana et Verala ont analysé des organismes biologiques et ont montré qu'ils ont une capacité non seulement de résilience, c'est-à-dire de surpasser un aléa, mais aussi de s'organiser pour créer un contexte autoréférentiel. Donc, c'est un système vivant et complexe qui a les capacités de s'autoproduire de manière continuelle. Voilà, dernière série de principes, cette fois-ci sur le processus permanent, donc qui est rapporté à la problématique des temporalités. Donc, dans un premier temps, c'est la question des responsabilités. Déterminer à tout moment si la décision en matière d'aménagement urbain est plus ou moins recommandable. Stuttgart montre bien que les différents moments de l'évolution du projet auraient dû intégrer cette réflexion sur la décision qui est plus ou moins recommandable par rapport aux options sociales, économiques et politiques. Donc, c'est le dispositif des scénarios, d'écrire des scénarios, les futurs souhaitables et soutenables, et rétroactivement de faire le chemin pour arriver aujourd'hui, de savoir est-ce qu'on est dans le bon curseur ou non. Deuxième principe, c'est les interventions d'aménagement permanente. Ben, c'est vrai qu'on ne peut pas s'inscrire dans un débat de 30 ans en ne rien faire. Il y a un certain nombre d'urgences, de nécessités d'aménagement qui doivent être faites. Donc, dans ce processus permanent, on doit aussi avoir la possibilité de réaliser ad hoc, peut-être de petite envergure, peut-être de manière éphémère, qui permettent en fait de légitimer et de tester et d'expérimenter, comme dirait mon cher collègue Marc Dumont, pour avancer. Troisième principe, l'approche incrémentale. Il s'impose, c'est-à-dire établir une évolution progressive, faite pas à pas, en expérimentant, sans prétention d'obtenir une solution définitive, faciliter la réalisation spontanée et rapide des interventions d'aménagement qui ne font plus l'objet de débats. Quatrième principe, on en a parlé hier aussi beaucoup, c'est la question de l'accès basse-œil, c'est-à-dire comment on peut baisser les obstacles administratifs pour amener plus facilement les différents acteurs, et notamment les citoyens, pour qu'ils puissent intégrer un processus en cours. Donc saisir, organiser et faire tenir ensemble des savoir-faire hors de toute prescription monofonctionnelle et mononormative. Et le dernier principe, et je finirai là-dessus, c'est un principe un peu philosophique, on peut dire, qui abandonne l'idée des finalités. On fait le projet urbain et après c'est bon, on vivra dans le meilleur des mondes. Et on va vers des espèces de visées. On vise un certain objectif,
un certain cadre souhaité, mais on est quasiment sûr qu'on n'arrivera jamais. Donc on est moins déçu. Donc ça veut dire engager un débat prospectif au sein de l'agrégat, plus porté sur les visées, qui en fait ne représente pas une maîtrise et anticipation efficace, comme il est souvent entendu, mais une exploration des voies souhaitables et soutenables, c'est-à-dire mettre en évidence les itérations, les incertitudes, les limites et en parler. Merci, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.